Les reconnaissances du rallye de Catalogne se terminent. Vous allez reconnaître ici la spéciale dans Salou. Vous savez que vous pouvez être champion du monde dimanche? Vous y pensez? Pas trop, honnêtement. Voilà. On sait qu'on est les seuls qui pourraient être couronnés ici ce week-end, mais on sait aussi que voilà, il faudrait carrément que Sébastien abandonne et Coit aussi ne soit pas trop performant. Donc, on n'y pense pas trop. On essaie surtout de gérer notre avance sur les deux manches restantes et d'être couronné au plus vite possible. Le fait que vous êtes aussi le seul à ne pas pouvoir perdre définitivement le championnat ce week-end, ça met un peu plus de pression sur vos adversaires. Ah, clairement. Je pense qu'on a l'avantage, on a toujours l'avantage. On l'a depuis longtemps, mais c'est sûr que voilà, les derniers rallyes ont été un peu plus difficiles, mais malgré tout, on garde la tête et on espère défendre notre position. Ce rallye de Catalogne ne vous a pas souvent réussi, un seul podium. Vous allez partir premier sur la route vendredi. Ça va être difficile. Vous attendez à perdre un petit peu des points ici. C'est quoi un peu l'objectif de ce rallye? L'objectif est d'essayer d'augmenter notre avance. On sait que voilà, en étant premier sur la route ici, ça ne sera pas évident. Mais on sait aussi qu'en Australie aussi, arriver là-bas avec une petite avance seulement au niveau du championnat, en étant premier sur la route, c'est un défi compliqué. Donc il va falloir bien gérer notre week-end et essayer d'augmenter notre avance pour avoir une dizaine de points d'avance. Voilà, une dizaine de points d'avance. Ou bien alors, si c'est pour ne pas être devant, il vaut mieux être quelques points derrière. Vous n'avez pas calculé ce week-end? On ne peut pas trop calculer parce que chaque point est important, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a vu encore sur les dernières manches que jusqu'à la dernière spéciale, tout peut arriver. Donc chaque point va être important dans la bagarre. Mais voilà, on fera les comptes d'ici dimanche.